Eh bien, salut Jean-Sru, ici pour une nouvelle vidéo. Et puis, ça me fait marrer parce que, juste avant, pendant 3 semaines maintenant, j'ai pas conduit une voiture. Et puis maintenant, je vous emmène pour faire éventuellement mon premier crash parce que ça fait, depuis que j'ai le permis, j'ai jamais fait une pause aussi longue de pas conduire en fait. Mais je vais vous expliquer pourquoi et pourquoi il n'y avait pas de vidéo pendant 3 semaines maintenant. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous savez tout. C'est pour ça que je vous invite réellement à aller voir sur Facebook, liker la page Live Gaming FR et comme ça vous êtes en courant de tout. Et puis ça, il ne faut pas oublier. Et puis, voilà. En fait, pour faire simple, j'étais malade pendant 3 semaines maintenant. J'étais jamais aussi malade que ça dans toute ma vie. J'avais en fait pendant 2 semaines, j'avais une grippe, en tout cas ça a commencé par une grippe. Déjà une grippe c'est vraiment pas beau à voir, à ne pas confondre avec un simple rhume ou un truc comme ça, mais c'est une grippe, c'est quand même, ça fatigue beaucoup. Et puis en fait dans ma faiblesse, j'ai eu une pneumonie en fait des deux côtés. Donc pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez aller voir sur Facebook en fait, sur internet, simplement sur Google. Google de toute façon il est au courant de tout. J'ai changé vite fait le côté, je pense que ça fait mieux comme ça. J'ai juste changé en fait le truc, c'est inutile, mais j'ai l'impression que ça va mieux comme ça. J'espère que vous m'entendez correctement. Putain, pourquoi il y a la clim? Je suis désolé, mais vous avez entendu la clim jusqu'à maintenant. Non, c'était le chauffage. Heureusement quoi, parce qu'en été, il faut mieux le chauffage, il faut le dire. Donc, putain, ça me fait vachement bizarre d'être de nouveau dans une voiture après 3 semaines. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que donc j'avais une grippe plus encore une pneumonie des deux côtés. Et puis, j'allais vraiment pas bien du tout. Et puis, après 2 semaines avec 40 degrés de fièvre, plus de 40 même, et puis j'arrivais plus à respirer et tout. Et puis on a décidé d'aller à l'hôpital en fait. Et puis moi je suis quelqu'un qui aime vraiment pas l'hôpital. Je suis pas vacciné, je suis rien du tout. Je n'étais jamais chez un médecin. Bon après il faut dire que mon grand-père il est médecin, donc lui il s'occupe un peu si ça va pas trop. Mais là vraiment c'était assez grave quand même. Enfin grave. Si c'est grave quand même. Et puis voilà. En fait, au final, voilà, on est allé donc à l'hôpital. Enfin, je suis allé à l'hôpital et j'ai eu de l'antibiotique. Ils m'ont mis des trucs dans le nez. Vous pouvez aller voir sur Facebook, il y a même une photo pour me faire respirer en fait, pour me donner de l'oxygène parce que j'avais pas assez de l'oxygène. Et puis, pour ceux qui se connaissent un peu, moi, par exemple, je ne me connais plus du tout. Mais par contre, en bout d'un moment, si on n'a pas assez d'oxygène pendant longtemps, n'y a pas assez d'oxygène dans la tête et puis ça peut être dangereux. On ne peut pas juste simplement devenir con, mais aussi ça peut être dangereux, voilà. Je dirais vous, le mec qui m'a regardé là. Et puis, vous voyez déjà, en fait j'ai un bonbon. C'est pour ça que, voilà. Sinon je tousse encore un peu. Et puis, vous voyez, je suis absolument moche, voilà, ça donne ça après 3 semaines de maladie. J'étais ni au soleil, j'ai pas bougé, par contre j'ai maigri quand même, j'ai perdu 8 kilos. Et puis quoi encore, j'étais pas chez le coiffeur. Mais par contre aujourd'hui, je vais aller chez le coiffeur, voilà, ça c'est très bien. Heureusement, parce que le 24... c'est dur de trouver un coiffeur, mais j'ai trouvé. Et donc, je fais cette petite vidéo pour vous expliquer quand même, parce que je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui me suit sur Facebook. Et puis aussi pour vous souhaiter bien sûr un joyeux Noël. Et puis fêtez ça bien entre familles les prochains jours. Il n'y aura pas de vidéo de gaming, je pense, cette année. Ma voiture aussi, elle n'a pas bougé pendant 3 semaines. Du coup, elle chauffe pas du tout. Ça fait du bien un peu de bouger pour elle aussi. Il y a des billards derrière. C'était encore avant ma maladie, donc je peux jeter toutes sortes d'alcool. Bon, normalement, l'alcool, ça tient.
Et donc, voilà, donc pour vous dire joyeux Noël et tout ça, il y aura encore certainement une vidéo avant la fin d'année. Soit ça sera récapitulatif, soit une autre vidéo, parce que je vais chercher dans quelques jours une Mercedes GLA. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez simplement aller voir sur Google. Et puis donc je vais chercher cette magnifique voiture et j'ai déjà hâte de la chercher. Et puis je vous ferai une vidéo justement le chemin pour aller là-bas, parce que je vais directement la chercher avec 0 km sur... elle a pas bougé en fait. Bon, peut-être 1 km parce que pour sortir du garage. Mais en tout cas voilà, je vais la chercher en fait dans la ville où elle est fabriquée, donc à Rastatt en Allemagne. J'ai à peu près 3h30 de train à faire pour aller là-bas. Après, on est cherché par quelqu'un de Mercedes à la gare qui nous emmène justement là-bas. Après, il nous montre encore l'entreprise parce que j'ai un petit partenariat aussi avec Mercedes. Et donc, ils vont nous montrer l'entreprise. On va aller manger aussi là-bas. Et puis ensuite, ils vont me donner la voiture. Puis après, j'ai 3h30 de voyage, de retour avec cette voiture à faire. Les premiers kilomètres, bien sûr, ça sera avec vous. Puis je vais vous faire une vidéo. Voilà, j'ai du mal à parler en fait en pleurant. Parce que j'ai pas parlé pendant longtemps aussi. Donc, qu'est-ce qu'il fait là, là? Il y a un camion ici. Alors qu'il n'est pas censé avoir un camion ici. Allez les gars, bougez maintenant parce que sinon je vais vous défoncer. Ok, bon. Bah, c'était déjà tout pour une première vidéo depuis assez longtemps quand même, depuis 3 semaines. Et puis je voulais aussi me remercier de tout le soutien que vous m'avez envoyé. Bien sûr, juste ceux qui suivent logiquement sur Facebook, parce que les autres, je sais bien, vous ne le savez pas. Donc du coup, vous n'avez pas pu m'aider. Mais par contre, pour tous ceux qui me suivent sur Facebook, vraiment merci, un énorme merci à vous, parce que bah, vous m'avez envoyé tous les jours des messages, comment ça va, si ça va mieux et tout. J'ai pas pu répondre à tout le monde, mais j'ai essayé de répondre vraiment au plus de personnes possible. À l'hôpital, j'avais un peu de temps, excusez-moi, mais voilà, vraiment merci beaucoup à vous, ça m'a beaucoup aidé. Parce que dans ces moments-là, on a l'impression bientôt de mourir. Ça donne quand même la force de sentir des gens derrière qui veulent pas forcément que je meure. Bon, j'allais pas mourir, mais par contre, voilà, ça fait toujours du bien d'avoir du soutien dans ces moments difficiles. Et puis, rassurez-vous, 2017, ça va être notre année. Il y aura plein de nouveaux concepts. Je vous le dis depuis longtemps, bon maintenant depuis 3 semaines je vous ai rien dit, mais par contre voilà. Mais rassurez-vous, c'est pas fini du tout. Il y en a quelques-uns qui ont eu peur que éventuellement j'arrête et tout ça. Non, mais pas du tout. J'ai tellement envie de reprendre, mais comme dit cette année, ça va être chaud parce que je suis pas en Allemagne. Je vais juste encore chercher la voiture justement. Je passe en rouge. J'espère qu'il y avait pas des flics quelque part. Ouais, il faut pas dire flics, il faut dire la police. La Polizei, parce qu'on est en Allemagne. Et donc, voilà. Est-ce que je vais encore chercher du pain à la boulangerie? Oui, non, peut-être. Non, j'ai la flemme. Ok, bon, on va s'arrêter là. J'espère que niveau visuel, vous m'avez bien entendu et vu aussi, enfin visuel, vu plutôt. Et puis niveau son, vous m'avez entendu. Voilà, et puis comme ça, on va se retrouver très prochainement pour justement la vidéo où vous aurez éventuellement cherché la Mercedes GLA, ou alors le résumé de l'année 2016. On verra niveau temps comment ça va se présenter. Mais en tout cas, voilà, il y aura encore certainement une vidéo cette année. Et ensuite, on va continuer en 2017. Allez, c'est parti, salut Jean, à très très bientôt. Et je vous souhaite, comme dit, joyeux Noël. Et puis, si on ne voit pas avant, bonne année 2017. Mais par contre, voilà, je pense qu'on va se voir encore avant. Donc, sur ce, salut Jean, et à très bientôt.